Et d'après vous, on va contester le même enjeu, dans votre présentation, Georges-Antoine Rondré, contre la Rue. Bonjour, Mme Guy Fontaine, auprès de la Couronne de services et poursuites pénales du Canada. C'est à ma demande que je place le dossier dans les représentations de vous. Je ne sais pas si le tribunal a eu le loisir de prendre connaissance du dossier. Oui. Il s'agit d'une requête en suspension des procédures déposée par mon collègue Maître Lebrun, qui représente M. Normandin. Nous sommes venus devant votre collègue, le juge Tardif, la semaine dernière, qui n'a malheureusement pas pu nous entendre. Et la greffière spéciale nous avait fixé une audition ce matin. Fait important, c'est qu'à 9h30, c'est commencé. La juge Julie Beauchamp de la Cour du Québec est censée poursuivre les représentations sur la peine dans cette affaire-là. Donc, ce que mon collègue demande, c'est de sursoir aux procédures devant la juge Beauchamp. Fait intéressant également que je tiens à notre tribunal, c'est que le 11 juin, devant votre collègue, la juge Miro, le maître Lebrun a fait verbalement cette demande de suspension des procédures et la juge Miro a rejeté cette demande-là. Et il représente cette fois-ci par voie écrite la même procédure, la même demande. Donc, c'est très, très, très urgent que le tribunal dispose de cette requête, suspension des procédures, parce que la juge Beauchamp est saisie par ce dossier-là. Aujourd'hui, techniquement, il ne reste que les plaidoiries des avocats au niveau des représentations sur sentence. C'est l'état du dossier actuellement. Ma collègue, Maître Boisvert. Bonjour, Madeleine Boisvert pour le procureur général du Québec. Moi, je suis ici aujourd'hui parce qu'on a... notre requête en rejet de l'avis d'intention selon l'article 95 est présentable aujourd'hui. Et donc, on voudrait fixer une date. Et on demande le rejet de l'avis 95 parce qu'il est manifestement mal fondé en droit et également qu'il est tardif puisqu'il a été soulevé en appel en cour supérieure et non pas en première instance devant la Cour du Québec. Donc, pour ces deux motifs-là, on demande le rejet et on aimerait que notre requête en rejet soit fixée. Sophie, sur le rôle des causes contestées? Oui. Alors, écoutez, j'avais l'impression que ce serait débattu aujourd'hui. La requête pour annuler notre avis de 1995. Alors, l'avis était pour 9 heures aujourd'hui. Alors, moi, j'étais préparé à m'objecter à cette requête-là. Je pense que ça devrait être entendu avant même toutes les autres requêtes. Parce que finalement, il s'agit d'une question constitutionnelle. Et puis, cette question constitutionnelle-là va déterminer, dans un sens, toute la suite des procédures. Alors, ma consoeur devrait présenter immédiatement sa requête. Et puis, c'est tellement vrai que ça aurait une incidence pour tous les confrères ici. Parce que, évidemment, que ce qu'on conteste, évidemment, entre autres choses, c'est que la législature, depuis 1968, n'est pas dûment formée et qu'elle devrait l'être. Et que la loi sur l'Assemblée nationale est une loi qui est illégitime, illégale, parce que, à ce moment-là, la législature prévoyait 110 sièges et il y a eu 122 députés. Et donc, il y avait une. Et puis, évidemment, qu'une Assemblée qui est illégalement formée ne peut pas former une nouvelle loi comme ils ont fait. Et puis, la loi sur l'Assemblée nationale, ben, c'est une loi qui, justement, visait à corriger cette lacune-là. Alors, pour ces raisons-là, préliminaires, je vous dirais que c'est important que la requête de ma consoeur soit débattue. Et par la suite, les arguments qu'on aura, que vous aurez entendus, pourront servir pour déterminer si vous suspendez ou non les procédures au niveau de la Cour du Québec. Que nous considérons une cour qui est illégalement formée. Et qu'en est-il de la question soulevée par votre confrère à l'effet que ma collègue, la juge Miro, a déjà rendu une décision concernant votre demande de suspension? Je pense que mon confrère a peut-être une mémoire qui flamme. J'avais commencé mon plaidoyer et Mme la juge Miro a dit qu'elle n'allait pas entendre les représentations constitutionnelles que je commençais
à expliquer. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a dit que pour aujourd'hui, il n'y allait pas avoir suspension des procédures. Alors, si je me réfère au procès-verbal du 11 juin 2014, il est question que le tribunal s'adresse à vous. Il ne suspendra pas les procédures en cours du Québec. C'est tout à fait ce qu'elle a dit. Cependant, comme je vous dis, j'avais commencé mon plaidoyer et ça n'a pas été terminé parce qu'elle a jugé que ce serait le juge tardif qui en jugerait le 27 août dernier. Mais évidemment, le juge tardif était dans une position un peu difficile. Parce que, évidemment, si on conteste la législature depuis 1968, comme il a été député de 73 à 76 à l'Assemblée nationale du Québec, il y avait un peu un problème. Et c'est dans ce contexte-là qu'il ne nous a pas entendu, mon interprétation. Et, c'est ce qu'il a dit? Non, pas du tout. C'est ce que je vous dis, moi. Parfait. Et je pense qu'il aurait dû au moins nous en informer qu'il avait été député de l'Assemblée nationale du Québec de 73 à 76, ce qui n'a pas été le cas. Très courte réplique. Au contraire, j'ai eu une très bonne mémoire qui ne flanche pas. Je me souviens fort bien de ce qui s'est passé devant votre collègue, la juge Biro. Maître Lebrun a présenté séance tenante cette demande de suspension des procédures. Cette même journée du 11 juin, nous étions convoqués, encore une fois, devant la juge Beauchamp pour entamer les représentations sur la peine. Il a eu le loisir d'expliquer à la juge Miro ses arguments. La juge Miro de lui répondre « Sur quelle base je peux faire ça? Je n'ai pas le pouvoir et je ne le ferai pas. » Et que mon collègue rajoute qu'on était fixé pour audition devant le juge tardif, une requête en suspension des procédures, peut-être que mon collègue allègue que j'ai des mémoires qui flanchent, mais moi, certes, je ne dénature pas les procès-verbaux qui sont faits par les greffières en salle d'audience. Et c'est bien marqué que le tribunal s'adresse à Maître Lebrun et ne suspendra pas les procédures en cours du Québec. Remis au 27 août 2014, pro forma. Pro forma, habituellement, il n'y a rien qui se passe au niveau d'une audition. C'était fixé pro forma, simplement pour gestion d'instance. Honnêtement, Madame la juge, je trouve que c'est poussé loin que de dire ce que mon collègue vient de dire sur le juge tardif la semaine passée. Très bonne question du tribunal ce matin de lui demander si ce qu'il a dit, il répond avec candeur, c'est l'interprétation qu'il fait. C'est poussé très loin, là, je pense, là, l'aventure juridique de mon collègue. Moi, ce que je vous demande, et j'insiste, je veux que nous soyons entendus devant la juge Beauchamp ce matin pour terminer les représentations sur la peine. Il a fait appel du verdict ex parte. S'il n'est pas satisfait du tout de la peine que rendra la juge Beauchamp, il y a un mécanisme, il fera un appel de la sentence et c'est tout. Pendant ce temps-là, le tribunal, il s'en va au supérieur pour entendre ce qu'il doit entendre. Et je vais juste clarifier une chose également. Lorsqu'il dit qu'on était fixé aujourd'hui pour la requête en rejet de l'avis d'appel, c'est tout à fait faux. La semaine passée, devant la greffière spéciale, ce qui a été établi, c'est que nous venions devant le tribunal ce matin simplement pour la requête en suspension des procédures. D'ailleurs, au moment où nous étions ici la semaine dernière, ma collègue a informé le tribunal qu'il y aurait une requête en rejet d'appel. Elle n'était pas encore signifiée. Je l'ai reçue le lendemain, le 28 août. Donc, c'est faux de prétendre que c'était le débat sur la requête en rejet d'appel. Ce n'était que pour la suspension des procédures. Madame la juge, je voudrais juste m'assurer que vous l'avez au dossier, la procédure en notre requête en rejet, d'accord? Et d'ailleurs, je voudrais soulever également qu'il n'y a même pas d'apparence de droit au niveau des arguments constitutionnels soulevés par mon confrère. Maître Lebrun, à plusieurs reprises, a soulevé ces questions-là constitutionnelles devant la Cour supérieure, devant la Cour d'appel, qui les ont rejetées autant sur le fond, mais également en vertu du principe de facto, qui fait en sorte que même si on prenait pour avérer que les arguments de Maître Lebrun étaient fondés, il n'y aurait pas lieu d'invalider toutes les lois du Québec, puis il n'y aurait pas lieu de rendre inconstitutionnel la Cour du Québec. Donc, ça a été rejeté, ces arguments, à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle on fait une requête en rejet aujourd'hui, là, parce qu'on
on est d'avis que ça a déjà été tranché par les tribunaux. Donc, ce qui était fixé ce matin, c'est la requête pour suspension des procédures à la Cour du Québec en date du, datée, là, du 11 août 2014. Exactement. Comme maître Fontaine, expliquez. Sur l'avis de présentation de ma consœur, c'est bien indiqué, premier avis, que la présente requête sera présentée pour décision à l'un des juges de cour supérieure, chambre criminelle du district de Ventura, siégeant en chambre de pratique le 3 septembre 2014 à 9 heures. De toute façon, madame la juge, les deux procédures, à mon avis, sont interreliées. Et puis la Cour, hein, qui doit regarder la Constitution et se fonder sur la Constitution, devrait entendre les représentations qui sont relativement assez courtes si on fait exemption de la jurisprudence. Quant à la question de facto, hein, qui revient souvent, on entre à ce moment-ci dans la requête pour rejet de l'avis d'intention. Et je pense que ce que vous me demandiez ce matin, c'était de trancher votre requête en suspension des procédures. C'est exact. Et cette requête-là, vous l'aviez présentée verbalement au juge Miro au mois de juin. C'était cependant, comme j'ai bien exprimé, j'avais commencé la plaidoyer et c'est arrêté par le mandat de notre juge Miro qui a renvoyé le tout le 27 août. Hein, il peut avoir. Il a rendu une décision le 11 juin, le juge Miro. Le juge Miro a rendu sa décision à savoir qu'elle n'allait pas continuer d'entendre la plaidoyer. Que je statue sur cette question-là immédiatement, afin que si jamais je n'accordais pas la requête pour suspension, vous puissiez procéder devant la juge Beauchesne aujourd'hui. Oui. Et pour la présentation des arguments sur cette requête-là, vous en avez pour combien de temps? Quant à moi, 15 minutes. Pour ma part, je vais peut-être simplement avoir quelques petits éléments à ajouter, mais je vais m'en tenir aux représentations de Maître Fontaine. Je vais vous entendre sur la requête pour suspension des procédures. Et quant à la requête qui a été déposée récemment, soit la requête du procureur général du Québec en rejet de l'avis d'intention selon l'article 95, je comprends que cette question-là, il faudra que ce soit débattu ultérieurement, que vous souhaitez vous-même intervenir, que ce soit dans un premier temps présenté. Étant donné l'impact que ça peut avoir sur le reste du dossier, c'est exact. Donc, cette question-là sera fixée sur le rôle contesté tout de suite après la présentation de la requête suspension.
qu'elle soit fixée sur le rôle des causes contestées. On s'entend bien? Oui. Parfait. D'une requête en droit. On est dans le cadre des demandes spéciales pour procéder immédiatement avant tous les collègues qui ont des causes. Je ne vois pas par quelle subtilité mon collègue va demander à son client de venir témoigner sur la suspension des procédures alors qu'il s'agit d'une requête, et je me répète, en droit. De toute façon, lorsqu'on lit l'affidavit de monsieur, ça n'a aucun rapport avec la requête de suspension des procédures. Alors, en notre droit, effectivement, habituellement, une requête de cette nature-là est présentée sur des bases légales, à savoir si je dois, à ce moment-ci, suspendre cette dispense devant la Cour du Québec. Donc, il me semble que vous soyez la personne qui soit habitée. D'ailleurs, vous représentez. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, la fille d'avis qui est joint au dossier. Alors, madame Raquel, alors. Ok, je vous écoute. Alors, l'appel a été déclaré. Ce que je peux faire, par contre, c'est inviter M. Normandin à s'asseoir près de vous. Ah, c'est bon, merci. La Cour du Québec a été créée par le Parlement du Québec en 1982. Notre prétention était le fait que la Cour du Québec n'a pas de fondement constitutionnel pour faire des lois, puisque dans la province de Québec, c'est uniquement la législature de la province de Québec qui peut faire des lois. Et le Parlement du Québec n'est pas la législature de la province. Au surplus, si vous regardez la partie 27, on dit la Cour des poursuites sommaires, c'est une personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a pris un sens de prescriptabilité, qui est un juge de paix, un juge de la Cour provinciale, lorsque la disposition est sous la tête. Alors, il faut que ce soit un juge de la Cour provinciale. Alors, pour regarder qu'est-ce qu'est un juge de la Cour provinciale, il faut aller à l'article 2 du Code criminel. Et on voit, juge de la Cour provinciale, toute personne que une loi de la législature d'une province nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a les pouvoirs d'au moins deux juges de paix, etc. Alors, je pense qu'il était dit là, que, dans la juge Beauchamp, il a été nommé en vertu de loi du Parlement du Québec. J'avais une réponse écrite qui est un peu comme notre invité. La requête de ma consoeur, mais je vais quand même l'utiliser pour de manière fonctionnelle là, pour pouvoir vous exprimer ce qu'il y a.
va donc seulement regarder les éléments qui sont les plus importants. Si vous regardez à l'annexe C, concernant le conseil législatif. Et vous regarderez de 1968. Et vous regarderez l'article 1 qui dispose « La législature du Québec se compose du lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée nationale du Québec. Elle exerce tous les pouvoirs conférés à la législature de la province de Québec. » Alors, regardez bien les termes. « Législature de la province du Québec », ça réfère à ce qui est dans la Constitution. Dans la constitutionnelle de 1867. Alors, composé du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, qui est le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec. Alors, à partir de ce moment-ci, la législature du Québec devenait une chambre, elle devenait une entité avec une seule chambre, et elle disait, exercer les pouvoirs de ce qui était prévu dans la loi constitutionnelle de 1867. Et en 1867, j'ai le texte en anglais parce que la Constitution n'a pas été adoptée dans sa version française au niveau de la loi de 1867. C'est traduit, mais ce n'est pas encore adopté. On se demande encore pourquoi, malgré l'article 55 de la loi constitutionnelle de 82. Et si on regarde l'article 71, alors l'article 71, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « There shall be a legislature for Québec, consisting of lieutenant-gouverneur and two houses, styled the Legislative Council of Québec and the Legislative Assembly of Québec. » Donc, il y avait deux entités. Et la législature a prétendu ne pouvoir en faire qu'une seule avec la loi sur le Conseil législatif. On verra tout à l'heure que cette manière de faire était une manière indirecte pour changer les dispositions du Canada. Provision relating to appropriation and tax bill, recommendation of money, the assent to bill, alors c'est un élément important, the disallowance of act and the signification of treasure of bill reserve shall extend and apply to the legislature of the several provinces as if those provisions were re-enacted and made applicable in term to the respective province and legislature. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'article 55, qui est un article fondamental de notre loi constitutionnelle, et ce que je viens de vous soumettre sur la référence concernant le pouvoir du gouverneur général, ben ça nous dit que les articles 55-90 ne sont pas désuets, qu'ils existent, et qu'ils peuvent pas être changés compte tenu du traité de Westminster. Pour vous référer aux différents éléments, mais ensemble, c'est ça. Alors, l'article 55, qu'est-ce qu'il nous dit, madame la juge? Et j'attirerai votre attention sur cet article-là en particulier. Il est pour le gouverneur général, mais il est rendu applicable par l'article 90 au lieutenant-gouverneur. Where a bill passed by the Houses of Parliament is presented to the Governor General for the Queen's assent, he shall declare, according to his discretion, but subject to the provision of this Act and to Her Majesty's instruction. Alors, ça veut dire qu'il ne peut pas donner son assentiment à une loi qui serait pas
conforme à cet acte-là. Alors évidemment, que ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, la loi sur le conseil législatif, elle n'est pas conforme parce qu'elle change de deux chambres à une chambre. Alors elle n'est pas conforme au pouvoir de sanction du lieutenant de gouvernement. Parce que son pouvoir de sanction, c'est « according to his discretion, but subject to the provision of this act and to Her Majesty's instruction. » Alors, si vous regardez, parce que mes confrères ont tous juré fidélité à l'autorité constituée, alors, et puis certains ont juré fidélité au respect de la Constitution de la province. Alors, la Constitution de la province, elle comprenait quoi? Elle comprenait les articles 71. Et comme vous voyez, l'article 71, avec ce que je vous ai lu tout à l'heure, il n'a pas été aboli. C'est seulement qu'une autre entité exerce ses pouvoirs. Alors, ce n'est pas une abolition. De toute façon, la législature de la province ne pouvait sûrement pas abolir ou rendre nulle une disposition qui était à Westminster, c'est certain. Alors, les articles 71, 72, 73, 74, 75, jusqu'à 80. C'est ça qui constitue la Constitution de la province de Québec. Et ces dispositions-là n'ont jamais été abrogées. Alors, je vais attirer votre attention en particulier sur l'article 75 et sur l'article 80. Vacancy happens in the Legislative Council of Quebec by resignation, death, or otherwise. The lieutenant gouverneur, in the Queen's name, by instrument under the Great Seal of Quebec, shall appoint a fit and qualified person to fill the vacancy. Alors donc, si les conseillers législatifs démissionnaient, ce qu'ils ont fait, le lieutenant-gouverneur avait l'obligation. Et puis, je vous indiquerai le Charles Lapointe. Pourquoi je mentionne le Charles Lapointe? Parce qu'il y a eu une discussion sur la valeur du Charles dans l'affaire du renvoi sur les droits linguistiques. Et ce que la Cour a dit, c'est que lorsque le Charles était appliqué au niveau constitutionnel, c'était un impératif. Ça ne peut pas être seulement directif, c'est impératif. Alors, les articles 71 à 80, n'ont jamais pu être touchés, être abrogés. Ils ne l'ont pas été. Et ils ne l'ont tellement pas été que lorsque le législateur, pas canadien, mais le législateur britannique, a fait le renvoi, a décidé de renvoyer la Constitution au Canada. Je vais devoir vous mettre. Ben, ces articles-là étaient toujours là. Et si ma consoeur veut démontrer qu'il n'y a pas de fondement de droit ou quelque chose comme ça, il faudrait qu'elle me démontre qu'il y a une autorité qui a pu abroger les articles 70 à 80 de la loi qui était à Westminster et qui a été transférée chez nous en 82. Ça, elle ne peut pas le faire.
Alors, ces dispositions-là sont toujours là. Et elles sont tellement là que lorsque vous regardez la loi constitutionnelle de 82, aux articles 52 et 53, cette fois-là, ils sont en français et en anglais, tant mieux. Alors, la Constitution du Canada et la loi suprême du Canada, elle rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Toute autre règle de droit. Et si je regarde l'article 53, les textes législatifs, la Constitution du Canada comprend la loi de 82, les textes législatifs et les décrets figurant à l'annexe, puis les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux alinéas A ou B. Alors, on va regarder l'annexe, si vous permettez. Alors, tout de suite, on tourne deux pages et vous retrouvez l'annexe. Alors, cette annexe-là, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la loi constitutionnelle de 82, actualisation de la Constitution. Et vous voyez, Acte de l'Amérique du Nord britannique. Alors, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, c'est ce que je vous ai donné, qui était à Westminster, en anglais seulement. Et la colonne 2, qu'est-ce qu'elle dit? L'article 1 est abrogé, remplacé par ce qui suit. C'est abrogé, loi constitutionnelle de 67. L'article 20 est abrogé. La catégorie 1 de l'article 91 est abrogée. Puis la catégorie 1 de l'article 92 est abrogée. Alors, les articles 71 et 80, qui sont abrogés, sont là. Ils ne sont pas abrogés. Alors, la législature est toujours celle qui est définie à la loi de 1867. Ça reste là, c'est pas abrogé. Et l'article 53, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, l'article 53 nous dit « Les textes législatifs et les décrets qui sont énumérés à la colonne 1 de l'annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure indiquée à la colonne 2, sauf abrogation. Ils restent en vigueur en tant que loi du Canada sous les titres mentionnés à la colonne 3. » Bon, 71 à 80, ça reste là. C'est en vigueur, puis c'est mentionné. C'est clair. Et c'est seulement la législature, la province de Québec, qui peut faire des lois au sens de l'article 92. Le terme « exclusivité » le dit grandement. Alors, si on regarde un peu, c'est un extrait de ce que le juge Boileau a mentionné sur l'article 92, dans une procédure qui n'a pas... c'est pas continué, mais je vous invitais à regarder le paragraphe 32. Mais quelle était la requête qui était présentée devant le juge? C'était une requête avec des procédures, c'était une requête aussi c'était un cas criminel, c'était pour dire que la cour n'était pas compétente, et le juge non plus, le juge Bonnard, pour juger la situation. Et la décision? La décision, par la suite... mon client s'est reconnu coupable et s'est arrêté. Voilà. Pour votre intérêt, et je trouve que c'est quand même bon parce qu'il y a eu une requête et il y a eu une décision. Regardons-la, la décision. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que cette loi, page 32, en 1968, s'inscrit dans ce que j'appelle un sursaut collectif de nationalistes. Il faut appeler les choses par leur nom. Il est possible que l'interprétation stricte des textes vous donne raison. Il est possible même que le lieutenant-gouverneur ait excédé son pouvoir en sanctionnant cette loi-là, et qu'on parle toujours de loi sur le Conseil législatif, et qu'il aurait dû exercer son pouvoir de réserve afin que Sa Majesté puisse exercer inutilement son pouvoir de désaveu. Tout ça est possible. Une première lecture des textes permettrait à tout le moins à un lecteur le moindrement attentif
dénué de compétences particulières en droit constitutionnel, de conclure dans le même sens que vous, il est inutile de perdre son temps. Et tous ces problèmes-là sont posés, je le répète, par un sursaut difficilement explicable pour moi, d'un nationaliste qui ne donne pas grand-chose, finalement. Mais dans la réalité quotidienne, est-ce que ça signifie que depuis 1968, le Québec ou la province, que je préfère, moi, la province de Québec, parce qu'on est encore dans une province au sein du pays, est-ce que la province de Québec est un bateau sans gouvernail? Est-ce qu'il faut même accepter la conséquence logique qui découle d'une interprétation rigoureuse des textes que vous faites? Et qui ne semble pas dénuée de raison, est-ce que la conséquence ultime est qu'il n'y a plus de gouvernement, ceux qui prétendent exercer le pouvoir sont des usurpateurs, la suprématie de la règle de loi a cessé d'exister, etc. Ils vont rejeter la requête pour les conséquences parce que ça amènerait le chaos. Pas de chaos. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de former le conseil législatif, et puis de former l'Assemblée législative telle qu'elle existait en 1968. Il n'y a pas de cadre. Alors, si j'en reviens à ma requête pour suspension, la Cour du Québec est une entité inconstitutionnelle parce que la seule entité qui peut faire des lois, c'est dans la province, c'est la législature qui est prévue à l'acte constitutionnel de 1968. Et qui n'est pas prévu à la Constitution du Canada. Alors, j'aimerais que ma consoeur puisse regarder l'acte de 1867 ou 1982, puis nous mentionner à quel endroit on trouve le Parlement du Québec. Évidemment que non, on ne peut pas le faire, parce que le Parlement du Québec, il a été créé le 18 décembre 1982. C'était après le rapatriement de la Constitution. Puis la Constitution, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ce qu'il y a comme entité, c'est le Conseil législatif et l'Assemblée législative. Et que toute disposition incompatible, c'est invalide. Alors maintenant, il faut savoir pourquoi. Or, ce serait peut-être important de vous dire, vous savez, les articles 90 et 91 de la loi sur le Conseil législatif, c'était justement pour permettre à ce que l'Assemblée nationale du Québec donne son avis pour le Conseil législatif. Alors, l'article 91, à chaque fois qu'il est prescrit ou permis que le Conseil législatif donne son avis, son consentement, ou qu'un rapport ou message ou toute chose lui soit transmis ou soumis, il suffit que cet avis ou ce consentement soit donné par l'Assemblée nationale du Québec et que ce rapport, ce message ou cette chose lui soit transmis ou soumis. Bon. Alors, on n'avait pas annulé, puis on ne pouvait pas annuler le Conseil législatif. On ne pouvait pas annuler l'article 71 qui était à Westminster. On ne pouvait pas. C'est une loi provinciale, la loi sur le Conseil législatif. Elle ne peut pas remplacer tout ça. Alors, elle ne pouvait pas. Et ça ne pouvait pas être sanctionné. Maintenant, tout ça, c'est pas très important, parce que ce qui est important maintenant, c'est la loi de 82. Puis la loi de 82, je vous ai mentionné l'annexe. Puis l'annexe, les articles 71 à 80, ben, ils sont toujours là. Puis ils sont toujours en vigueur. Ils restent en vigueur selon l'article 53. Alors évidemment, ma consoeur dit, oui, mais si vous aviez raison, puis j'ai raison. Si vous aviez raison, ça invaliderait certains tribunaux, certains éléments. C'est vrai. Ça invaliderait sûrement une partie de la Cour d'appel. Mais ça invaliderait pas nécessairement la Cour supérieure, parce qu'elle est restée la même depuis 1968. Sauf qu'en 68, il y avait 87 sièges. Maintenant, il y en a quoi, 260 et quelques. Alors, le 260 moins 87, c'est des juges qui occupent illégalement. Mais ceux qui sont les descendants de 87, parce que c'était souvent comme ça, bien, ceux-là, ils forment la Cour supérieure. Et cette Cour-là est une Cour qui est susceptible d'opérer. Alors, il n'y a pas de vide juridique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le renvoi sur les lois linguistiques du Manitoba,
Qu'est-ce qui a été fait? Il a été d'abord déclaré, dans un premier temps, qu'il fallait que la Cour suive la Constitution et qu'il fallait invalider les lois qui n'avaient pas été faites en anglais puis en français depuis 1870. Alors la Cour a dit que c'était son devoir de le faire. C'est votre devoir aussi de déclarer que la Cour du Québec est une Cour inconstitutionnellement formée. Les gens qui sont là sont peut-être corrects, mais sont pas suffisamment corrects pour avoir lu comme fou la Constitution. Alors, c'est donc important de voir ça. Alors, dans la première partie du renvoi, ce qu'on regarde, c'est l'importance de statuer selon la Constitution. Pas selon la coutume, pas selon ce qui existe, parce que ça, c'est de facto, mais selon la Constitution. Alors, si vous prenez, par exemple, la page 744 de l'envoi, à la toute fin, ça nous dit pour effet d'imposer au pouvoir judiciaire la responsabilité de protéger les lois corrélatives que possèdent en matière linguistique tous les Manitobains, y compris la minorité franco-manitobaine. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit à 745? C'est au pouvoir judiciaire qui incombe d'assurer que le gouvernement observe la Constitution. Alors donc, c'est à vous aujourd'hui d'assurer que la Constitution est respectée, que les articles 71 à 80 sont respectés. Alors, nous devons protéger les personnes dont les droits constitutionnels sont violés. On prétend que les droits constitutionnels de M. Normandin sont violés. Quelles que soient ces personnes, quelles que soient les raisons de cette violation. Alors, la Constitution d'un pays est l'expression de la volonté d'un peuple d'être gouverné conformément à certains principes, etc. Alors, encore là, au point D, il appartient au pouvoir judiciaire d'interpréter et d'appliquer les lois du Canada et de chacune des provinces. Il est donc de notre devoir d'assurer que la loi constitutionnelle a pris séance. La loi constitutionnelle, c'est quoi? C'est la loi de 82, avec son annexe, avec l'actualisation de la Constitution, et donc comprenant les articles qui n'ont jamais été abrogés, 71. Alors, on nous dit qu'au point H, hein, c'est souligné par la Cour elle-même, les tribunaux ne mettront pas en doute la sagesse des textes législatifs qui, au terme, relèvent la compétence des législatures, mais une des hautes fonctions de cette Cour est de s'assurer que les législatures n'outrepassent pas les limites de leur mandat constitutionnel et n'exercent pas illégalement certains pouvoirs. Alors, tout ça pour dire que la première étape, c'est de déclarer que c'est un pouvoir. Après ça, on regarde qu'est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas un état de chaos. Évidemment, au Manitoba, c'était depuis 1870 que les lois étaient invalides. Alors, c'est un petit peu plus grave que 68. Puis la situation est différente aussi. Alors, ils ont établi le principe de la primauté du droit, la théorie de facto. Mais ils ont fait intervenir et puis ils ont demandé au procureur général qu'est-ce qu'il devait faire pour maintenir le droit durant une certaine période, pas de faire en sorte que la Constitution soit plus respectée, mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chaos durant le temps qu'on fait en sorte que la Constitution soit respectée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourriez, ou la Cour suprême pour renvoi pourrait, pour un certain temps, tant que le Conseil législatif et l'Assemblée législative n'est pas reformée correctement, ben, on fait en sorte de, pour suspendre le jugement, de faire en sorte que l'État de droit continue d'être un État de droit. Au Manitoba, c'était différent du Québec. Mais de toute façon, ce que la Cour a fait,
c'est qu'une fois qu'ils ont dit que c'est invalide, ben, à la page 753, vous voyez, on nous dit un certain nombre de parties d'intervenants ont proposé sa cour déclarée valide et inopérante des lois humaines de la législature du Manitoba et en reste là, en comptant sur les législations pour mettre au point une modification constitutionnelle. Or, la première étape de Mme la juge de cet arrêt-là, c'est de se prononcer sur l'invalidité. La deuxième étape, c'est de demander aux parties qu'est-ce qu'on fait si c'est invalide. Ça, c'est une deuxième étape qui viendra après. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est uniquement de déterminer que la législature de la province de Québec, c'est bien la législature de l'article 71, et que ce n'est pas le Parlement du Québec. Et pourquoi ce n'est pas le Parlement du Québec? Regardez, si vous tournez la page du petit texte que je vous ai mentionné ici, chapitre 62. Toujours c'est sur quoi? Vous voyez toujours sur la requête, la réponse à la requête. Oui, quelle page? Oui, alors c'est tout de suite après l'article 90-91, je pense. Alors là, vous avez une partie de l'extrait de la loi sur l'Assemblée nationale. Et puis ça nous dit que l'article 2. Vous dit, l'Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec. Le Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Alors, si le Parlement du Québec assume, ben ça veut dire qu'il n'est pas la législature du Québec. Et la législature du Québec, il faut regarder qu'est-ce que c'est. C'est pas la législature qui était prévu à la loi constitutionnelle de 1867, c'est celle qui fait référence à ce qui a été constitué en 68 et qui s'appelle la législature du Québec. C'est pour ça que le « du » est un petit peu partout depuis 1968. Tandis que dans les textes, c'était la province du Québec. Alors donc, il y a une première entité qui s'appelle la législature de la province de Québec. Il y en a une deuxième qui dit qu'elle exerce les pouvoirs de la législature de la province de Québec. Ça s'appelle la législature du Québec. Et il y aura maintenant une troisième entité qui s'appelle le Parlement du Québec et qui dit assumer les pouvoirs de la deuxième entité. Quel coup? Si vous regardez l'annexe 1, je m'excuse l'annexe 2. Alors, il faut savoir pourquoi il y a eu la loi sur l'Assemblée nationale le 18 décembre 1981. Alors, vous voyez le texte juste en haut. Le président, M. Vaillancourt Jonquière, dit. Loi de projet 90, article 17. Monsieur Lalonde, Monsieur le Président, si vous m'accordez 30 secondes, vous savez que la loi sur la législature actuelle prévoit une Assemblée nationale de 110 députés seulement. Alors, il y en a peut-être 22 qui siègent illégalement. Monsieur Gay dit 12. Monsieur Lalonde, 12 qui siègent illégalement, y compris le député de Vigé, membre de cette commission. Alors, cet article 1 aura pour effet de corriger. Alors, est-ce qu'une assemblée qui est irrégulièrement formée peut se corriger elle-même?